Avec Olivier, effectivement, je suis vraiment pour lui un outil et j'essaye de le servir au mieux par rapport aux attentes qu'il a en fait. Voilà, il n'y a pas du tout d'ego mis en place dans ce processus de travail parce que je ne suis pas là pour venir me voir représenter sur une peinture, mais juste pour que lui puisse m'utiliser comme il le veut. Sur ces peintures, quand on va commencer la séance avec les photos et tout ça, oui, il faut rentrer dans quelque chose de. Enfin, c'est pas Anaël, enfin, c'est quelqu'un, une petite partie d'Anaël qui sera animée par autre chose et aussi probablement beaucoup par les désirs d'Olivier et ses directions en fait. C'est surtout ça que je vais suivre. Et probablement aussi proposer quelque chose qui me sont personnelles, mais voilà, attendre. Avoir son écoute et son regard et savoir ce dont lui il a besoin par rapport à ça. La concentration, c'est bien et important. Travailler dans la bonne humeur, avec le sourire et du lâcher prise, c'est aussi important, je pense. Ça permet aussi de faire sortir des choses, être aussi plus naturel et donc peut-être d'aller un peu plus loin. Il y a des fois, il y a des choses qui fonctionnent très bien et en 10 photos, on a tout ce qu'il faut. Et puis des fois, il en faut 150 parce qu'on a envie d'avoir quelque chose de plus précis ou ça a du mal à sortir. Enfin, on est humain, donc des fois, il faut du temps et des fois, il faut moins de temps.